She said she want me back. I never made a promise of a faithful tire. Till the day she got me caught, I thought she was a... Hey, c'est moi le guide. Appelez le guide. Apacha le guide. Conseil ici, janvier. Franchement, je t'observe beaucoup, tu te bats. Tu te bats beaucoup pour faire ton premier conseil. Voilà, tu es venu avec tes vidéos, tu diffamais les gens très tôt. L'Esprit Saint t'a rappelé. Maintenant, ce que l'Esprit Saint t'a dit là, peut-être tu n'as pas bien écouté. On a dit d'arrêter de diffamer les gens. On ne t'a pas dit non. Tu as le talent d'artiste, tu as le talent d'un chanteur. En tout cas, actuellement, tu te bats à fond, à fond, à fond pour que ton conseil du 6 janvier se passe bien, pour que tu sois rempli. Moi, je sais que ça va, tu vas remplir le conseil. Tu vas remplir. Les gens viendront par pitié. Ils viendront par pitié. Ils viendront par admiration pour ce que tu fais. Parce que tu pour ce conseil déjà, même là, tu te bats. Sous prétexte que tu es l'enfant béni. Hein. Voilà, tu es juste un battant. Ce n'est pas question d'enfant béni. À faire des bénédictions, si on calcule bien là, tu ne fais même pas partie des gens qui sont bénissables. Tu es juste un petit qui a la niaque. Tu as la niaque. Tu te bats, tu te couches bien, tu rampes bien. Tu fais tout pour que les gens achètent le ticket de ton concert. Mais moi, j'ai une question. Un concert, c'est une fête. C'est une fête de l'artiste avec ses fans, ses admirateurs. Est-ce que toi, tu as des fans et des admirateurs qui te connaissent en tant que chanteur? Est-ce que toi, on te connaît en tant que chanteur? Tu es chanteur, mais on ne te connaît pas en tant que chanteur. Apacha, Apuchu, on ne te connaît pas. Depuis combien de temps tu te bats pour que les gens viennent au concert? Bats-toi pour qu'on écoute déjà les chansons. Je pense que tu as mis la charrue avant les bœufs. En tout cas, pour ceux qui ne comprennent pas, rassure-toi, tu as mis la charrue avant les bœufs. C'est pour dire que normalement, les bœufs là, et tu brouettes là, non? Lui, il a mis brouette là, et puis les bœufs là, sont derrière. Il a mis brouette là devant. Faut te battre pour qu'on écoute ta chanson avant le 6 janvier, pour qu'on les écoute, pour qu'on comprenne aussi les paroles, pour que ça nous parle. Parce que on ne sait pas quelle chanson on va aller chanter à toi. Toi, tu vas arriver, tu vas mettre tes sons, tu vas mettre ton show. Mais on sera là en train de regarder parce qu'on ne connaît pas les paroles des chansons. J'ai dit « on » parce que comment tu fais, ça me donne l'envie de venir voir ce que tu vas produire. Je reconnais, tu n'es pas un artiste, mais tu es un battant. Tu es un battant, tu te bats même. Ce qu'on retient dans l'organisation de ton concert, que tu es un battant, tu ne lâches pas. Mais tu dois te battre pour qu'on entende, on comprenne tes chansons, les écoute. Les radios nous jouent ça tout le temps, tout le temps. Ça a rentré dans nos têtes, on joue partout, on écoute partout. Moi, je n'ai jamais écouté un de tes sons. Tu vois, même mon plus grand ennemi, mon pire ennemi, j'écoute ses chansons. Trop allé dans dos, dans Abata, Yéhi, mon jeton. Tu vois, si je vais à son concert, je mangeais à lui. Hein? Pourquoi le pépé? Reviens, tu vois? Je chante à lui. Et puis il y a la chanson là quand ils vont mettre. Maya pendre, beyanko. Maya pendre. On nous flanque pas le pé. Ma jamais. Wakpa ywandraga. Il y a bejame kumpa. Tu vois? On s'enjaille avec l'artiste. Toi, quand tu vas aller là, à quel moment on va s'enjailler à toi, Apacha? À quel moment? Faut qu'on commence à écouter tes sons. Tu as compris, on n'écoute pas. Mais on sait que tu es un concert, tu vas te produire sur scène. Moi, peut-être, je serai là. Mais pourquoi? Moi-même, je ne sais pas pourquoi je serai là. Une chose est sûre, si tu remplis deux palais de la culture, tu l'aurais mérité. Tu l'aurais mérité parce que moi, je vois ce que tu fais. C'est pas facile. C'est pas facile. Même si c'est fait dans le désordre, mais... c'est parce que tu fais quelque chose que je peux apporter ma remarque. Voilà. Voilà. Même si c'est désordonné, c'est parce que tu as fait qu'on a vu que c'est désordonné. Si tu n'avais rien fait, on n'allait rien dire. Mais je viendrai à ton concert spécialement pour voir comment tu vas souffrir sur scène. Tu vas chanter seul, tu vas applaudir seul, tu vas crier seul. Parce que quand tu vas demander à gens, applaudissez là. Il n'est pas applaudi. Mais je veux voir. Tu t'es battu. Franchement, je tenais à te dire bravo, bravo, bravo. Ce que tu fais, c'est... tu as de la niaque, tu as la niaque, tu as faim, tu es un battant.
Mais voilà, ça n'a rien d'avoir d'être enfant béni. On s'en fout. Nous tous, on est bénis. Tu as la niaque. Je tiens à te féliciter pour ça. Que tu remplisses ou pas, tu as accompli quelque chose. Personne, je ne pourrais pas faire ça. Je n'oserais même pas. Quand je dis, moi, il y a combien d'artistes qui auront ton courage? Quelqu'un qui ne sait pas chanter, qui organise concert, il y a combien qui peut faire ça? Franchement, tu as la niaque. Tu as la niaque. Et c'est ce qu'on appelle, on peut oser. Tu as osé. Tu as osé, ça va aboutir à d'autres résultats. Moi, ça me motive. Pas pour faire un concert, flemme. Moi, il y a trop de fierté pour aller organiser un concert. Bon, allez, va te faire foutre. Hello, hello, la famille. Bonjour à tous. Bienvenue sur Vos Coupages Buzz Pro Max. Vos Coupages qui fait dans l'actualité des stars en temps et en heure réelle. Ici, nous sommes spécialisés dans le bel et le japa des stars en Afrique et de par le monde entier. On vient de suivre tous ensemble la vidéo de méchanceté. Je ne sais pas appeler ça de méchanceté d'observateur parce que vous savez, observateur, c'est pas quelqu'un que j'affectionne vraiment. C'est vrai, il a parfois l'habitude de clasher, il dit de belles choses, mais là, c'est très très méchant envers Apuchu. Très très méchant. Apuchu, c'est vrai, c'est quelqu'un au début, on l'a connu dans les clashs et tout. Il faisait exactement comme observateur, mais pas trop comme observateur, parce que observateur, lui, c'est exagéré. Mais à un certain niveau, il a décidé de renoncer à tout, de donner sa vie au Seigneur. Et on a tous vu comment il a changé. Il a sorti son album. Apuchu, c'est un gars pour moi qui a plein de talent. Il vocalise très bien. Et son album même qu'il a sorti, j'ai tellement de sons que j'aime dedans que ça m'a vraiment fait du bien de savoir qu'on peut être pas bien vu et le lendemain, on décide de changer. C'est ce qu'on te préconise également, observateur. Il faut changer. Laisse la vie des gens tranquille. Tu peux donner même les critiques, mais il y a une manière de donner les critiques. Toi, tu donnes les critiques en étant la sensibilité, mais bon, c'est pas bien. Apuchu va réussir son concert, même si les gens vont venir par pitié, non. Le concert, là, va donner, ça sera plein. Il s'est battu, là, la volonté, là, la gnaque. Il est aimé. C'est le chouchou, c'est un enfant chouchou de la Côte d'Ivoire. Par rapport à toi, il n'y a même pas match. Il sait que les gens aiment beaucoup Apuchu. C'est quelqu'un qui sait faire le show. C'est quelqu'un qui sait donner la bonne humeur. Raison pour laquelle c'est Sojo Maj. Même s'il se rampe, il se couche, ça va toujours donner. Donc, Yako à toi, Apuchu va de l'avant. C'est comme ça, les jaloux vont mourir, les jaloux vont maigrir. Continue. Tous avec toi le 6 janvier au Palais de la Culture, ça va donner. Tant pis pour ceux qui vont toujours être là, être ton détracteur, bien tes détracteurs comme observateur. On avance la tête très haute. Bon, la famille, c'était juste mon petit point de vue par rapport à cette sortie déplacée d'observateur. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.